Bonjour, je suis Aliénor de Broc, autrice de 100 jours sans Lily, paru aux éditions On Lit juste avant le confinement. 100 jours sans Lily, c'est mon deuxième roman et mon quatrième livre, puisqu'il y a eu deux recueils de nouvelles aux éditions Quadrature avant les romans. 100 jours sans Lily, c'est l'histoire d'une femme. Elle s'appelle Linda, elle a 30 ans, elle est prof. Elle vit seule avec un enfant en banlieue bruxelloise et elle a des rêves de romancière qu'elle a laissé un peu de côté parce qu'elle n'a pas le temps d'écrire. Alors pour un peu tromper son quotidien, ce rythme enfant-travail qui la dévore, elle entame l'écriture d'un journal. Le journal, c'est le roman et à la fois, c'est pas tout à fait ça non plus. Elle ne sait pas quand elle commence que ce journal deviendra le témoin d'une aventure, d'une quête, d'une enquête qu'elle va mener à la recherche d'une amie portée disparue. Cette amie, elle s'appelle Lily Brooks. C'est une trentenaire américaine avec qui Linda a étudié à New York le temps d'une année et qui, elle, est devenue romancière. Voilà, ça raconte ça. Ça raconte comment une femme va poursuivre l'ombre de son amie à travers ce journal de bord qui n'en est pas vraiment un, puisque à la voix de Linda vont se mêler d'autres voix. Les voix de personnes qui ont côtoyé Lily Brooks et qui, eux aussi, se sont mis en quête de la retrouver. Il y a un vieux flic solitaire. Il y a un jeune photographe qui a couvert la guerre en Syrie, qui a été fait otage, prisonnier pendant cette guerre et qui a ensuite rencontré Lily, qui a une relation complexe avec elle. Il y a les parents Lily. Et donc, toute cette quête, c'est de savoir si Lily a disparu de son plein gré, ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'elle a vécu un accident, un assassinat? Personne ne sait. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de grave? Son amie Linda a 100 jours pour le découvrir. 100 jours et 100 chapitres. Puisque ce livre, dans sa forme même, est une espèce d'énumération et est une réflexion aussi sur le temps. Finalement, la véritable enquête, c'est peut-être celle-là, c'est comment le temps passe dans nos vies, comment on subit le passage du temps, comment le temps déforme aussi nos relations aux autres, notamment aussi la relation d'amitié entre ces deux femmes. Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle est déformée, distordue par ce temps qui passe, ces années qui passent, puisque leur amitié, elle date de l'université? Alors, parler du temps, c'est même dans la forme du livre, puisque ce temps des 100 jours pendant lesquels Linda mène son enquête, eh bien, il s'écoule dans l'écriture même, à travers une espèce de compte à rebours. Les 100 chapitres courts, rythmés au présent, qui sont comme 100 images flash, 100 instantanées d'un hiver, sans flash ni bout à bout, parce que c'est aussi une question de photographie du rapport à l'image dans ce livre. C'est le temps d'une vie de femme, d'une vie d'homme, de notre temps à tous qui nous est compté. Comment on peut le réinventer, comment on peut le tordre et en bouleverser parfois le rythme ou même l'ordre des événements, comment on peut finalement réinventer sa propre chronologie pour élaborer notre vision de l'avenir. C'était ça qui m'intéressait vraiment, au-delà de tout ce que ça raconte, puisqu'il y a, un questionnement sur l'amitié, sur le désir, sur le corps des femmes, sur le sang des femmes, sur l'image de l'autre quand elle se fissure, quand elle laisse apparaître ce qu'on n'avait pas imaginé. Mais c'est aussi un récit de voyage, ou plutôt une carte, une constellation des liens qui se tissent dans le temps, dans l'espace, de la Russie au Canada, en passant par l'Europe. Ce livre, il a été écrit bien avant le confinement, vraiment, vraiment bien avant, puisqu'il est paru juste avant le confinement. Mais à la fois, il résonne pour moi face à cette crise sanitaire du printemps 2020, puisque cette femme, eh bien, pendant presque tout le roman, elle est très isolée. Elle se sent assez prisonnière de cette vie qu'elle mène avec, bien sûr, une connexion Internet et des moyens de se renseigner sur ce qui a pu arriver à son amie, avec une capacité de se déplacer qui fait qu'à un moment donné, elle va partir à la recherche de cette amie. Mais il y a quand même un rapport à la solitude et à l'enfermement, en tout cas à l'isolement volontaire, qui se tisse dans tout le livre. Il y a aussi ce rapport à l'enfermement involontaire cette fois et subi, contraint par ce jeune photographe qui deviendra le confident de Lily. Ce sont des thématiques qui évidemment n'avaient pas du tout été pensées face au confinement, mais qui ont résonné pour moi. Un confinement qui, du coup, évidemment, a un peu compliqué la sortie du livre et la vie du livre dans les premiers mois. Voilà, les librairies sont rouvertes et donc j'espère de tout cœur que ce livre trouve son chemin et trouve ses lecteurs. Ce serait infiniment plus simple, pour vous comme pour moi, si ce livre était simplement un journal. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Les 2000 signes par jour
Ce n'est pas très important. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai perdu des pages entières du livre que j'écrivais cet automne-là, et que j'ai passé beaucoup de temps ensuite à reformuler les chapitres manquants, à tenter de les compléter ou de les réécrire mot à mot. Peine perdue, évidemment. Le roman que vous lisez aujourd'hui n'est en rien le résultat imaginé initialement. Ne vous fiez pas à la chronologie, à l'enchaînement des faits. Je ne peux pas vous garantir que les choses se soient bien passées de cette façon. Je ne peux rien affirmer. Ce que je peux vous assurer, c'est uniquement ce dont je me souviens. Et je me souviens de la date, mercredi 2 novembre, jour des morts. Une radieuse après-midi d'automne où le soleil s'est couché peu avant 18 heures, plongeant la route de campagne que j'empruntais en compagnie de ma fille dans une obscurité lugubre au fur et à mesure que toute lumière disparaissait de l'horizon, floutant les contours des arbres et du ruban d'asphalte que je m'efforçais de suivre avec application dans le balai des phares. J'écris en essayant de vous donner quelques détails pour mettre du relief dans l'affaire, mais en vérité, je me souviens à peine de ce trajet en voiture et encore moins du lieu d'où nous revenions. J'ai la vague image d'un domaine muni d'une tour délabrée et de jeux de lumière rougeoyant sur un étang. Mais je ne pourrais pas jurer qu'il s'agissait bien de cette journée-là. Je vous parle de la tombée du jour et du balai des phares, quelle expression convenue. Et la seule chose qui me revient clairement, c'est le moment où, tout en surveillant mon enfant dans son bain, une fois rentrée chez nous, j'ai entendu le téléphone sonner longtemps dans le vide. Peu de gens emploient cette ligne pour me joindre. Et j'ai pensé que c'était peut-être le secrétaire de rédaction qui ne retrouvait pas mon papier à paraître, ou une bourde du même genre, ça arrive fréquemment. Je ne m'attendais pas à découvrir une voix inconnue décliner son identité quand j'ai enclenché le bouton poussoir du répondeur pour écouter le message que cet étranger venait de laisser dans la nuit. Inspecteur Jake S. Alexander, police du New Hampshire. Écrire que cet homme m'a appelé dans la nuit est une autre illusion temporelle. Il s'agit d'une nuit partielle et partielle car, pour Alexander, il est 6 heures de moins sur la côte est des États-Unis. GMT-5, Eastern Time. 20 heures ici, 14 heures là-bas. Cette confusion des méridiens nous jouera plus d'un tour. Mais j'anticipe sur la suite des événements alors que, pour vous comme pour moi, nous sommes en ce moment au soir du mercredi 2 novembre, tout au plus au petit matin du jeudi 3, qui s'annonce gris, humide et froid pour marquer notre entrée de plein pied dans l'automne, après un interminable été indien comme nous n'en connaissons pas souvent en Europe occidentale. À 1h du matin, je cherche encore le sommeil suite à la brève conversation que j'ai eue avec l'inspecteur Alexander après avoir couché ma fille et rappelé la ligne fixe de son bureau, dont il avait pris soin d'épeler distinctement le numéro sur mon répondeur. Ce qu'il m'a appris m'a laissé sans voix. Et après l'avoir écouté 3 ou 4 minutes, je n'ai pu que murmurer que j'étais désolée, mais que j'allais devoir raccrocher et le rappeler plus tard quand j'aurais repris mes esprits. J'ai dit tout cela dans sa langue à lui, évidemment. Regain consciousness, reprendre mes esprits, car il est évident qu'en français, je n'aurais jamais employé cette expression. Reprendre ses esprits, sans me mettre à rire tant elle aurait sonné de façon grotesque dans le combiné. Alexander n'a pas insisté. Il m'a seulement demandé de prendre note de son adresse courriel pour pouvoir nous contacter via Skype, ce qui serait moins onéreux pour tout le monde, a-t-il conclu, sans que je sache s'il se souciait de mes finances ou de celles de l'État du New Hampshire. À 1h du matin, je rallume ma lampe de chevet et laisse le chat venir se nicher dans mon cou en ronronnant, tandis que je note sur mon carnet que Lily Brooks est portée disparue depuis le 21 octobre, raison pour laquelle ce flic a tenté de me joindre à plusieurs reprises au cours des jours précédents, puis s'est décidé à me demander de le rappeler par messagerie interposée. Il n'est pas autorisé à me parler de l'enquête dont il a la responsabilité, mais il aimerait me poser quelques questions, et notamment savoir quand j'ai eu des nouvelles de Lily pour la dernière fois.